DJ Stéphane. Bala Mwangi. Congo ya Lumumba Congo. Tafachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwa ngoya ngoyo ekoki. Tolanda kango. Papa Stéphane Bala Mwangi. Oh yeah yeah. Monsieur Dame, bonjour. Vous nous suivez de partout. Vous êtes dans le deuxième numéro du jour avec Maître Joël Kitenge. Nous allons essayer d'analyser l'actualité. La Kuna na Est. Ok. Allez, les Ouazalendo Babeti Lissous. Ouazalendo, retour en force. Ouazalendo, retour en force. Babeti, Babeti. Babeti, Mouna Yot. Ah oui. Mouna Yot, Pesa Makambo. Eh. Soko Yamati. Comment est-ce que vous avez bibembe? Ah oui. Comment est-ce que vous avez bibembe? Je vous dis, je vous dis, je vous dis, et en dehors de ça, tu as un mouibi à niveau de la Banque Centrale. Deo Gracias, Albert Yuma, Nabat Moussous. Je vous dis, je vous dis, c'est parti. Tata, bonjour. Bonjour, Deko Stéphane. Merci pour la Lélo Lissoussou. Tu as un mouibi. Nisina, ba Kongomani. Ba Wazalendo, ba sali moussala makasi. Sur terrain. Wazalendo penza sali moussala ya moussala wana. Potango to wali kotanga awa. Na moni makambo o na zomona epesi nga nzoto. Esengo ya motindo wana. Pourquoi? Puisque Wazalendo abeti, abeti, abeti. To di koloba nini? Donc, il y a d'abord... question à quoi expliquer, puisque ma front et Bandagi déjà n'a pas trois concepts et domaines différents. Oui, ici, il y a une bataille où Bandagi dans le territoire, il y a Nurangongo. Et ici, depuis ce matin, bataille Ezala qui n'a Kanya Mahoro, dans le territoire de Nurangongo, où les résistants Wazalendo ont commencé tôt ce matin, il y a qu'au bêta. Les terroristes, même quand les renforts ont été en Rwanda pour tenter de conquérir la ville stratégique de Goma, puisque vous savez que les affrontements à Nurangongo ont une signification beaucoup importante, c'est la suite logique et prolongement de la ville de Goma. Et à Nurangongo, s'il faut noter qu'hier, des crépitements d'armes ont eu lieu, Nabakan a déplacé. Quatre personnes ont été tuées, plusieurs blessées, d'une confusion qui tentait de désemparer les deux groupes. Il y a le VDP, le volontaire pour la défense de la patrie. Contrairement à certaines rumeurs qui discutent, il y avait vraiment une différente prise de position. Alors, Malatandiwana et Kriaki, qu'ils se sont échangés les faits de part et d'autre. Et enfin, ils se sont compris très vite. Comprenant que, basant l'objectif Moko, l'ennemi commun, ce n'est pas d'autres groupes Wazalendo. L'ennemi commun, c'est le Rwandais, c'est l'armée rwandaise et les terroristes supplétifs M23. Et dans le front, on comptait les terroristes pour Nakulongola Bango de Nurangongo pour les repousser dans la contrée, il y a la zone montagneuse et à Rutshuru. En même temps, aujourd'hui, nous saluons l'armée Bayo qui appelle Nabiso. Nous avons dit, arrêtez de nous expliquer toutes ces communications que je ne vais pas qualifier avec des mots inappropriés, qui ne donnent pas effet. Nous avons des avions de chasse, d'avions de guerre, des hélicoptères, pour les raisons qui sont justifiées à défendre l'intégrité du territoire. Et des Sukhoi, depuis bien de temps, ne savaient plus quoi faire. Mais aujourd'hui, à Kibumba, les pilotes congolais ont fait un travail remarquable. Ils ont fait ce que nous appelons bombardement en distance et sur le ratissage du chemin, l'FRDC est en train de se battre. À ce moment-là, c'est officiel, l'FRDC est en train de combattre. Puisque comment il y a un côté là, au Bazalène de Bazokoubouna. Puisque c'est FRDC. On a dit 14h20, l'avion de chasse Sukhoi-25 vient de bombarder l'armée rwandaise RDF à Kibumba. Dans le parc national de Virunga. Selon le témoignage, les corps de cadavres gisent sur le sol comme des grenouilles. Exactement, quand on est dans le parc, il n'y aura pas que les cadavres humains, il y aura aussi des cadavres animaux, puisque nous sommes dans la réserve
où les écosystèmes de biodiversité, bah, espèces en voie de disparition, bah, ça protégé. Mm-hmm. Mais pour le moment, on va refaire ce qui fera la vie de Virunga, puisque la nécessité, c'est que champ, il y a parc national, on est comme à l'eau, là, une sorte de cachot, tanière pour les terroristes qui vivent et qui détruisent l'écosystème à grand à outrance. Et il y a une centrale hydroélectrique dans Katia Park. Il y a Virunga qui alimente à peu près plus de 50 000 ménages à Goma et dans les environs. Et à ce moment-là, la fondation Virunga de M. le Belge là, est un peu prise en tenaille d'un côté par les terroristes. L'armée a salué Oezana de Warnaï. Et va violer ce cessez-le-feu. Non. Ils ont réagi. Il ne faut pas comprendre. La réaction, c'est une action qui vient après une action. Mm. Bango baye si ma action, il y a ma terroriste. Le Rwanda a traversé ses frontières. La Lungwe pa naye na Rwanda a été na République démocratique du Congo, nous livrant bataille. Mm. Et il s'est joint aux forces des troupes. Récemment, le colonel Njike Kaiko qui en a présenté des décisions rwandais qui se sont rendus au FRDC, qui expliquent que bah, armée rwandaise sont les instructeurs et leur guide nakati à guerre et qui pendant la bataille ba ko bunda elongo na bango. Ce n'est pas approuvé. Et à ce stade, nous nous défendons chez nous. Toutes les nations du monde ont parlé qu'Israël avait le droit de se défendre des tirs et des attaques de Hamas. Israël avait le droit de se défendre des tirs et des attaques de Hezbollah. C'est normal puisque c'est Israël, ce sont des blancs. Et c'est anormal puisque le Congo qui est agressé par le Rwanda de se défendre sur son territoire. On vient tuer dans son territoire, vous parlez d'un cessez-le-feu. Qu'est-ce qu'on va faire de cessez-le-feu? Qu'est-ce qu'on va aller avec le cessez-le-feu? On n'en a pas besoin. Et nous, cessez-le-feu, ça veut dire taisez-vous, arrêtez, observez. Donc, vous dites à un État, de observez cette... comment on tue votre population, on viole vos filles et vos femmes, observez. On pille vos ressources, observez. On met à mal l'autorité de l'État, observez. Ça, nous disons non. Et au grand nom, à majesté. Voilà pourquoi nous saluons le courage. Moi, j'ai dit, c'est bien bon que Mokonja Kendeko Honoré, général Christian ou Eddy Capen, tous les autres, général Kasonga ou Charlie Ngonza, Jacques, en leur donnant de niveau, les autres lieutenants généraux, les autres généraux des armées, mais c'est le moment de prouver réellement qu'on est général des armées. C'est le temps, c'est une épreuve. Peut-on les appeler honnête, peut-on les appeler ce dont Christian Tchouo doit faire sur le terrain. C'est de montrer que vous valez péter à Souka et à FRDC. Sur le terrain, en défendant, en mettant des plans tactiques qui mettent en déroute l'ennemi. Puisque en sortant, à ce moment-là, il est vainqueur. En sortant, il vaut péter Wana. Na temeni yangote, na konte yangote na bi, c'est le moment de mouiller le maillot. Puisque Jape Bemba aussi. Birenge biso basso toala ki na sengomone ne komona tang mokonza pesa ki ebonga wana. Et c'est le moment de prouver que non, nous ne nous sommes pas trompés des cibles. Jean-Pierre Bemba vaut un ministre de la défense. Puisqu'il n'y a pas une défense réelle. Tang boko lubaka na ba TV na ba conférence, si ce n'est pas d'aller sur terrain et de faire douter l'ennemi sur sa capacité à nuire na makambuma ko leka na kati ya Congo. Donc, dans le massif, l'Oisalendu continue à conquérir pour reprendre la cité stratégique de Kichanga. À Rutshuru, les Oisalendu et les FARDC, ils ne sont pas côte à côte, les FARDC par le Sukhoi et l'armée en train de partir. Donc moi je crois que, mais aussi un défi pour le général Chirumami, Peter. Chirumami a bénéficié de la confiance à Mokonja Mboka, remplacement du président Constant Ndima. Mais il doit prouver que c'est un guerrier, puisque l'image que tous nous avons à l'Est de Chirumami, c'est un combattant, un guerrier, mais pas un guerrier bureaucrate, alors montrer sur le terrain que le Goma respire déjà sous le coup de menace. Il faut à tout prix écraser l'ennemi et faire rassurer la population de Goma. J'appelle à nouveau toute la population de manière générale de rester éveillé et debout, tous les jeunes des quatre coins, de rester mobilisé pour la cause de l'État. Je salue à ce titre, juste en rapport avec Gomba, position à Christophe Lutundula, qui, juriste, magistrat, député, ministre des Affaires étrangères à l'ONU. Et ça m'a bêté pour
congolais, n'est-ce pas, a kende, conformément à la constitution, a simbi Mundouki, a simbi Machette, a simbi Likonga, puisque la rébellion est rébellion quand un groupe d'individus prennent les armes contre l'État. Mais nous avons l'impression que c'est comme qui dirait à officialiser Bawazalendo. Non, mais ici, Bango Bazako s'attaquer dans l'État. Pourquoi on peut considérer d'une troupe rebelle? Il se rebelle à quoi? À l'autorité établie. Mais les journalistes ne se sont rebellés à qui? À personne. Ils se rebellent pas. C'est les faits établis. Non, écoutez, EAC ne sont pas des autorités congolaises. La MONUSCO non plus ne sont pas des autorités. Non, on n'a jamais voté ces gens. Je suis dans l'aspect sécuritaire. Bien sûr. Nous connaissons l'autorité congolaise, c'est ça, Félix Tshisekedi. Bien sûr. Le gouvernement congolais. Tant que les jeunes patriotes n'ont pas pris les armes contre le pouvoir de Kinshasa, et ils prennent les armes contre un pouvoir terroriste de Kigali. Mais c'est de bonnes causes. Ce sont des personnes à ovationner, à construire dans chaque province un monument pour le Wazalendo. Puisqu'ils font ce que la Constitution a prévu. D'empêcher un individu ou un groupe d'individus à prendre le pouvoir par la force et de l'exercer contre le gré de la Constitution et le pouvoir constitutionnel. Et cet article-là s'impose ipso facto à chaque Congolais et Congolaise. Et les autres jeunes étudiants et femmes ont décidé de faire cet article-là une vie. Appuyez le Dieu Wazalendo. Nous vous appelons Wandougou Mouapigue. Appuyer les Wazalendo ouvertement, officiellement, comme ça, par le gouvernement, puisque lorsque le Tounoula parle... Non, mais je préfère que le gouvernement congolais, puisque Wazalendo s'en soit élu. Bon, les Congolais. Oui, bah, c'est... Batelé Boy. Non, les patriotes. On parle de mission français, bon, les patriotes. Les patriotes. Ngaï Kitenge, je suis le bureau de Wazalendo à Kinshasa. Ozo Bangate, chef d'État, il y a EAC, isolé Fachi. Nous gagnons quoi dans EAC? C'est ça la question, pas d'intérêt, pas d'action. Nous, Congo, depuis que tu as dit que tu as Tonga, Kitabe, Tonin. Bon, du point de vue sécuritaire, qu'avons-nous tiré profit en appartenant à un pays? Un pays membre d'une organisation comme la nôtre nous agresse. Vous avez, ne serait-ce un communiqué officiel de EAC qui suspend la participation du Rwanda à l'EAC puisqu'elles ont agressé un autre pays membre. Je m'étonne aussi. Vous avez tout juste une décision de chef d'État qui l'ont appelé à les organisations africaines, ce sont des clubs d'amis, des sorciers, des inconscients. Qu'est-ce qu'on a attiré de EAC? Et même le président de la République doit vous dire qu'on a gagné ça de EAC. Il va vous dire on va gagner, on aura. Nous ne sommes pas contre ces initiatives. Nous lui disons, et l'eau à EAC, à côté de ça, on a fort bord. Tout le monde a mené. Qu'il prenne le courage à Zamoutou. Et ce que j'aime en lui, c'est quand il l'a pris un faux pas, il peut aussi capituler et dire que non, ça, ce n'était pas la bonne voie. De comprendre aujourd'hui que de cela qui maman n'a faux pas. Et assez. Tous ont gassé. Tous ont qui maman n'a faux pas là, et assez. Tous ont gassé. Bêtise. Et assez. Bakolo, suspend. Tous ont gagné par la bango. Non, tous ont banga. Tous ont organisé l'élection. Pour te violer, c'est le feu. Tous ont organisé l'élection en bon abisso. Oui, oui. Front pop. Bien sûr. Tous ont foutu à bas soldat en bon abisso. Oui. Même EAC, en bon abisso. C'est pas ça. EAC, force régionale. Les carburants fonctionnent quoi? Il y a un appui de leurs États, mais le Congo contribue. Même l'ONU, on paye, non? Parlons un peu de la MONUSCO maintenant. On te pout à gâte. Parce que tout cet argent que nous dépensons sur eux, ce que nous avons investi dans le FARDC, dans la police, dans l'ABISO, on ne va pas avancer. Tout est ma coquille, pas bon. Plus de 20 ans en RDC, d'abord, c'est quoi le bilan de la MONUSCO ici? Zéro. Ah, Joël, Yopi. Vous avez un mot trop dur, on a compris. Dans le bi MONUSCO, rien que le côté de l'ABISO, basé, mi babatar. Koi baba minere na biso, na koi yenga yenga awa. Parce que bano ba djanga ba tata, be ba mama, ba nyoko la kabaike moyen te. Ba nyoko la kabaike moyen te. Ogomono, MONUSCO, loisirs diplomatiques et une mission de nul qui puisse exister au monde. Bon ami, oui. Oyebi, j'ai une fille qui est née en 2000 ans. Le 2023, elle a 23 ans.
Après, elle termine la quatrième année en médecine. À Botany, à Kouti Monisco. Une mission de 23 ans, papa. Est-ce que vous avez dit que Kabila est mort à Kouta Monisco? Kabila est mort à Kouta Monisco. Pour être comme président en 2001, à Kouti Monisco. À Salipé, 18 ans, Kei. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez de 25 ans, Monisco est là. Côté. Les groupes armés sont beaux à Makak. Insécurité, ils ont quoi là? Viol les Alaki Kak. Viol les Alakak. Mais Monisco, le billet, il y a un sécurité comme Moukweg. Ah! C'est une mission d'occupation de la République démocratique du Congo. La Monisco était une sorte de mise en état sous tutelle, en silence, le Congo. Puisqu'il est arrivé au moment où Kobandana William Lassissing, Alain Doss, l'autre là qui était venu, la fameuse dame, la Bintou Keïta, ils arrivaient que le président tient un discours. De l'admettre, le chargé de numéro 1 de la Monisco appelle une conférence de presse dans laquelle vous trouvez les réponses. La Monisco répond au président à travers leurs communications. En contradiction même. L'État mène une mission. Un Noël Tchani dépose une loi des pères et des mères. La Monisco fait une communication pour la loi d'un citoyen en train de le déposer. Bolanda Bilongo Botalango na silence. Donc Monisco vous sentez à comme politique vraiment dans Bolanda Bilongo. Politique active à comme local la chef d'État parallèle. Donc à Lungona sécurité à Moko ya chef d'État parallèle. À Kota Boye, s'il y a un débat au parlement comme on a bitou, l'obaké comme on a bosse. L'obaké comme on a présence depuis le temps de Kabila ça se faisait. Oui. Il y a une discussion à ma opposant comme la Monisco. Les Zerugi, les Zerugi, on m'a pas Martin Fayoul Lambazaï, à l'époque, on a lancé la bataille. Allô, nous appelons Madame Zerugi. Monisco a été opposé. Je me demande, mais cette mission, elle était venue pourquoi? Entre-temps, nous connaissons le fonctionnement du Conseil de sécurité. Qui sont ceux qui dirigent et qui dictent le Conseil de sécurité? Monisco Anna, ils ont créé. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons créé. Et aujourd'hui, l'Afrique a 53 États. Aucun membre, aucun pays africain n'est membre du Conseil de sécurité. Ne se laisse un siège. Ceux qui dirigent le Conseil de sécurité, ce sont ceux qui nous ont colonisé l'ensemble de l'Afrique hier. Et nous fonctionnons dans une organisation. Et qui nous font la guerre tous les jours ici. Nous fonctionnons dans une organisation où les colons décident sur les colonisés. Jusqu'à aujourd'hui, on appelle ça l'Organisation des Nations Unies. Pourquoi on n'appelle pas ça l'organisation des colons, des impérialistes, face à ceux à qui nous les dictons? Qui parle des conseils de sécurité si ce n'est pas la Russie, si ce n'est pas la France, si ce n'est pas peut-être la Chine aujourd'hui, si ce n'est pas c'est le G7 ou le G5? Et l'ensemble de colonisation vient de tous ces G5. Donc, la Monisco, il n'y a pas l'équité. Tout est fait à sens du puissant qui devient de plus en plus puissant et de faible et minable qu'on amoindrit davantage. L'Organisation des Nations Unies, il n'y a rien de démocratie, rien de droit, rien d'équité. C'est toujours eux qui créent beaucoup d'État dans les pays africains. Et pourquoi les autres nations subissent les dictats de quelques pays et il n'y a que la Russie, les États-Unis et la France qui ont le droit de veto? Pourquoi? Et ils ont les armées nucléaires. Ouais. Et où ils ont tiré l'uranium? En Afrique. Et celui qui a c'est l'uranium ne peut même pas enrichir son uranium. On ne peut pas créer une usine où on a réussi l'uranium en Afrique. Tu oses, on te tue. L'Iran le fait, il trouve. Corée du Nord ose, on te tue. Pourquoi? Puisque tu deviendras comme eux. Et pourquoi on peut parler de l'organisation des... Donc nous sommes dans une organisation des inégalités. C'est une organisation satanico de contrôle pour vous soumettre à leur dictat. Et ils ont placé la Monisco ici, c'est pour gérer la République démocratique du Congo comitatement avec les autorités établies. D'où, aujourd'hui, le ministre a dit qu'il y a déjà un programme concerté. Dès le décembre 2023, le retrait progressif de la Monisco se déclenche. Et pourquoi concerté? Pourquoi progressif? Qu'ils partent, on n'en a pas besoin. Pourquoi vous pouvez garder ceux qui n'ont rien fait? Mon frère, je vous dis chaque jour.
comment tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dévoué pour y aller? Pas d'intérêt, pas d'action. Comment on peut garder une mission qui ne nous protège et qui n'apporte rien dans le quotidien du Congolais? Ils sont plus dans le minéré, dans le viol, viol dans nos femmes. Et ce qui est fort, fort, mon histoire, dans l'instrumentalisation politique. Mon histoire, comment à un niveau, il y a que la RDC, FRDC, qui jamais pour ça l'opération sans consulter Bango. Vous savez, j'ai constaté ça quand un jour, j'ai fait mes sorties médiatiques qui font toujours rage ici à Kinshasa, partout ailleurs. Ouais. Vous faites un show, vous carbonisez un certain nombre de choses. Le soir, les appels que je reçois, c'est toujours de la Monisco et de la Radio Capi. Mais si nous voulons, nous sommes de l'organisation de la Radio Monisco, on voulait s'entretenir avec vous. Et quelques minutes, les questions commencent. Est-ce que tu te sens en paix? Tu te sens sécurisé? On te menace? Nous pouvons protéger? Quelles sont tes ambitions? Ils vous plantent déjà dans le cerveau quelque chose. Ils commencent à vous contrôler et ils vous préparent pour leur intérêt. Il y a des leaders politiques ici préparés pour l'intérêt français, américain, anglais, allemand, et il n'y a rien d'intérêt congolais. Ouais. Moi, je dis, est-ce que j'ai besoin de vous? Je me bats pour votre liberté ou je me bats pour les Congolais? Vous me protégez, je suis ici. Et il n'y a pas un endroit qui m'intéresse ici, c'est de mourir au Congo. Récemment, ils ont violé les Congolais ici. Hein? C'est le signal. Ils ont violé les Congolais. Et quand la MONUSCO, le gouvernement sud-africain est venu à Zubasoda Naye. À Kenabango. À Kenabango. C'est de rien. Puisque on a violé les Congolais. Juste d'abord, on a violé de noirs. Des noirs, des Congolais. Des Congolaises, ça vaut quoi? Et des casques bleus blancs. Des casques bleus blancs sud-africains. Wow. Jouez, vous comprenez? Waouh. Waouh. Ça, nous n'acceptons pas. Je me demandais... C'est comme ça même dans la francophonie. Nous, nous sommes le plus grand pays francophone du monde. Oui. On préfère donner un pays qui parle anglais, puisqu'on a besoin de nous servir, de nous mettre, nous, au dictat des autres. Et on donne le Rwanda, la francophonie, nous, les Congos, nous sommes là, toujours à la queue. On organise dans les pays arabes comme la Tunisie, la francophonie, mais nous, à la queue, nous disons non. Ça, c'est fait. Nous disons que cela cesse. S'il y a encore des sous-traitants que Tshisekedi qualifie les candidats pour l'étranger. Non, les candidats de l'étranger, c'est une question que je vais te poser. Au moment où je te parle, Nazoyoka, délégation à opposant congolais, Baoké Napoto. Ce n'est pas un problème. Pourquoi Bago Kendeko Solo n'a qu'il s'entoute? Pourquoi Bago Kendeko n'a Ndembate, Basali Réunion, n'a Ndembaba Solo Plaçoane? Ndemba Moutom. Territoire de Kassai Central. Pourquoi ils ne peuvent pas arriver à Lodja, ils font leur réunion discuter la Lodja? Chez vous là, à Lodja, il y a du courant. Des sous-traitants. Qui n'a pas mis le courant? Ce sont ceux qui vont aller discuter en Europe. Ils n'ont pas mis le courant à Lodja. Est-ce qu'il y a la collection? Il y a le wifi. Voilà. Voilà encore. Il y a quoi? Vous imaginez quelqu'un qui vous vole l'argent de Bukangalonzo? Oui. Et qui écrit à la cour, alors qu'il a été ministre de Finances, oui. Premier ministre pendant plus de 5 ans, donc il va aller se faire évacuer et soigner à l'étranger. Donc incapable pour une structure sanitaire appropriée pour soigner les Congolais. Mais mon père qui est un pauvre enseignant au village, s'il souffrait la même maladie que le voleur de Bukangalonzo, on va l'amener en Europe par les frais d'équipe. Non, on va juste, on va juste réserver les... J'ai juste la tombe pour la tombe. Et ils sont à l'aise d'aller se faire soigner là où ils n'ont pas, en fuyant là où ils n'ont pas créé des structures sanitaires appropriées. Mais tu penses que ils sont les papas des gens. Non, Mais moi je vois une autre chose. C'est comme qu'ils disaient qu'il y a un poto pour imposer un candidat commun à Bango. Ce n'est pas ça. Ata va imposer un candidat commun. Le problème est que ici, c'est le Congolais qui décide. Le Congolais moyen, il a compris que le malheur de l'Afrique, c'est l'Europe. La souffrance de l'homme noir, c'est l'homme blanc.
Et l'homme noir souffre puisqu'il reste encore un sous-traitant de manière rationnelle dans le raisonné, dans la conception de ce que l'homme blanc lui dicte. Nous restons comme des ordinateurs avec des langages de programmation qui nous a été déposé par l'utilisateur de l'Europe, qui est l'utilisateur de cet ordinateur que vous appelez opposant aux politiciens. Réfléchissez bien, utilisez vos cervelles pour le développement de ce Congo, parce que l'Europe vous dit, si l'Europe voulait développer l'Afrique, l'Afrique n'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Il est temps que ça change. Et les vents, si le Congo veut rester à la marge, des vents qui souffrent dans les raisonnements des jeunes d'aujourd'hui pour briser ce niveau de partenariat soumis entre les colons et les colonisés, eh bien, ils sont en dehors, ils vivent à la planète Mars et ne comprennent pas ce qui se passe à la planète Terre. Moi, je dis, les élections à venir, tous ces gens qui sont là, la plupart qui sont venus pour la première fois, ils sont venus pour perdre. Je vous l'ai dit. Élections. Ils vont perdre lamentablement. Est-ce qu'il y a une élection à candidat Makassi Baza? Il n'y a aucun candidat à Makassi, puisque Makassi, je peux évaluer que la plupart de ceux qui sont là ont déjà postulé. Je sais qui est Kikuni. Je sais qui est Martin Fayoul. Peut-être que Chekomba n'est pas venu cette fois-ci. Peut-être que Pasteur Ngalassi qui est venu pour la première fois, mais je peux lui rappeler. Non, mais Katumbi est venu aussi pour la première fois, non? Pasteur Maluta, qui était venu de l'Angola, a dit que le Seigneur lui avait révélé de devenir président de la République. Heureusement que ce n'était pas le Seigneur, c'était son ambition de mesurer. Pasteur Ngalassi a tenu le même propos. Malheureusement, quand il était en train de faire son rêve ou écouter le Seigneur, je n'étais pas la témoin. Difficile d'évaluer si c'est Dieu qui l'a parlé ou c'est lui-même qui voulait juste exister dans une liste. Et ici, on même toute la ville, il n'y a même pas un calico pour Ngalassi. Voilà. J'en ai terminé, je n'ai pas terminé. Katumbi et Mukwege sont venus pour la première fois. D'ailleurs, la différence, c'est que Mukwege s'engage maintenant dans la politique juste il y a quelques jours et il brigue déjà la magistrature suprême qui demande à Adamu Mbole qu'est-ce qu'est devenu candidat président de la République, qui demande à Chekomba, qui demande à l'avocat là, professeur, pasteur, ce qu'il a, Théodore Ngoï, qui demande à Noël Chani qu'est-ce qu'est devenu candidat président de la République. On a vu un médecin qui a secoué les lignes ici, c'est docteur Oscar Kachala. Très populaire et impressionnant que Mukwege. Avec un CV kilométrique. Il est resté l'ombre de lui-même et il n'a plus jamais remis les pieds au Congo alors que personne ne cherchait à l'arrêter. Tous ici vont fuir. Mukwege a créé un parti politique. C'est bien de le créer aujourd'hui. C'est encore quelques mois. On va voir comment ce parti va exister 40 ans, 37 ans comme l'IDPS. Le PPRD lui-même est en train de disparaître. En moins de 5 ans qu'ils étaient au pouvoir, le PPRD devient l'ombre du PPRD. Vous avez encore des meetings et des t-shirts et des drapeaux qui sont les longueurs de la ville de Kinshasa qu'on parlait du PPRD. Alors, personne n'est pas plus du PPRD. Ce genre de débat que personne ne s'est distrait. Tshisekedi a déjà gagné ses élections avant de les commencer. Pourquoi? Puisque sa gestion de 5 ans parle mieux que ses mots et ses paroles. Sa gestion de 5 ans parle mieux et plaide à sa faveur qu'au point où tout Congolais sondé ne gire que par la reconduite de Tshisekedi à la tête de l'État. Mais je ne comprends rien. Je ne comprends vraiment plus rien. Bino Bozulubake, Tshisekedi a fait, il a fait, il a fait. Mais j'ai suivi Katumbi pas plus tard qu'hier. Les bossaba jeune moko ya Katanga azolo banini. Bola kisana biceps na bino balaki biceps na bango. Oya komeka akosumba. Ola ta atafanya nini? Atapima atayamba. Ça c'est le message de Katumbi. Et il va plus loin, un papa qui lui fait que promettre sans réaliser. J'ai l'impression que Fatih a promis, mais il n'a pas réalisé. D'abord, on parle de biceps. La politique parle du cerveau. Vous voyez comment est-ce que ce sont les gens qui réfléchissent là où est le cerveau, ils l'appellent mollet. Le raisonnement de la politique, ce n'est pas le bisexe. N'est-ce pas? Si c'est le bisexe, s'il faut qu'on lance bagarre entre les partis politiques IDPC ensemble, vous connaissez Nana Okufo, Nana Ozoka, Nana Okima bagarre. Mais c'est pas Banabalabala. On connaît la bagarre, tu es un cocktail de Molotov.
Et aucun parti politique dans ce pays ne sait bien fabriquer le cocktail de Molotov que le Kabakon bataille de PES. Bagarre, ne cherchons pas. Puisque Kobanda Yango, Kokokate, Oliama. Mais s'il faut parler du cerveau, on s'attaque à l'individu Tshisekedi. Mais qu'est-ce qu'elle promet? Qu'a-t-il fait à 12 ans comme gouverneur au Katanga? Parlons de ça quand même. De la Gécamine, de la SNCC, de quel avenir? De quel bâtiment public? De quelle maison communale qui a été reconstruite pendant 12 ans? De quelle situation économique du Katanga? De qui on va parler? Et comment on peut expliquer? Je ne peux pas répondre à ça, ni à lui, puisque ça ne vaut rien. Ah oui, nous allons prendre une information. Urgent, Deogracias Mutombo, Albert Yuman et Jacques Kamenga, deux directeurs de la Banque Centrale du Congo et un cadre de la Rawbank, interdit de quitter le pays. Décide la Cour des comptes. La Cour décide aussi de geler leurs avoirs au niveau de banques commerciales. Ah! Bakanana bilokuna bango. Gaina lobi boye. Nakobanano ne lokomoko. Procureur général, près la Cour de cassation, papa, vonde, bote tata. Webike na lingaka o mingi. Attendez, vous ne savez pas lingi o mingi. Tete linga o mingi. Wana. Osa msala kitoko. Osa msala kamusala malunga. Batu bazalaki. Papa vonde, penza sa va. Mouta zalaki reza papa mumba. Bote pe papa mumba za deja na retraite. Boko li bisabiso ba congolais. Mandat d'amener. Et le dossier qui était ouvert contre Albert Yuma dans les détournements dit à la Gécamine na bambongo nyoso qui comptait à des centaines de milliers de millions de dollars et c'était nyan dengeni. Puisqu'on a fait des émissions sur la procédure judiciaire contre Yuma traqué, il y a eu même une déclaration où les notables katangais sont passés pour menacer les gens à l'endroit Albert Yuma. Nous ferons ceci, ceci, ceci. Affaire 200 millions. Exactement. Et Soukawapi. Le problème, c'est que Yuma a pénétré le cercle de ceux qui entourent les décideurs aujourd'hui avec nous. Albert Yuma. Ma corrompu, ma colère, ma lia lia na mesa Yuma. Il est solo. Il est solo. Le régime Fati. Albert Yuma, ça ne va pas plus. Aza na bango. Azala bango ba oyo ba ya ba pusa na ki pembe na epo ya fongola bango kopya bakare mini ya bazati. Puisque c'était le financier et le chef d'orchestre ya ba mine ya Kabila. Alors pour avoir les secrets, les cœurs nets de comment se faire des millions rapidement, ils se sont rapprochés. Il y a mon tokin na côté ka minerai na biso à 17% non. Exactement. Exactement. Bako service. Exactement. Albert Yuma. Et comment qui déjà comme coûte Albert Yuma na ba restaurant, na bateau ya biso. Na ba conseiller, na ba chargé ba pa, na ba chargé de mission. Albert Yuma. Yuma na bango. Lelo na souki anonyme lobi na otanga kombo. Toyo ka rendre Sony, tout faciliter mon gonza mboka ba démarche za ko sala. Batu, ils ont un bateau, ba saleli komba Tshisekedi comme opportunité na bango réussite baza plein. Bangindi na komba Tshisekedi. Exactement. Il y a des hommes riches en immeubles, en biens, en entreprises que Tshisekedi lui-même pendant ce régime. Hein? Yango, cette fois-ci, ton tobani na tata firmé, papa ko pardonner you maté. S'il y a des gens qui ont saccagé l'économie de ces pays, l'entreprise minière na bambongo, il y a des factures au Futamaka na Congo, babengango maboko facture. Ça se trouve na SNEL, ça se trouve na Gécamine, ça se trouve na pétrole ya Angola, na pétrole ya Mwanda, et les kaka na transaction te na ba traçabilité te c'est des grosses sommes de main à main. Beaucoup de factures. C'est comme ça que vous connaissez l'histoire de Katumba Mak avec la facture de l'Angola main à main. Vous connaissez l'histoire de Brazzaville avec la SNEL sous Mouchaba. Afrique du Sud, Mouchaba. Non, sous Mouchaba. Oui, c'est 30 millions. Na maboko. Na maboko. Traçabilité. 30 millions. Et l'histoire de Lucinde na
TFM, Tenke Funguru, mais sur le montant des factures, il y a plus de 80 millions que Tenke paye par mois. Il y a SNEL. Dans ma boucle. Traçabilité, c'est la nationalité. Dans ma boucle. Il y a des factures. Ce type s'est battu à la justice pour le moins fait que t'es. Fédération des entreprises du Congo. Ouais, ouais. Osa politicien tata. Kumbango entreprise a yuma toi bakate. Toujours homme d'affaires, affaire anglaise à la mine. Mais yes, à superviser Kabila quoi, Olive Lembe ya Kabila non. Yes, mon co c'est un homme d'affaires, ça c'est vrai. Mais affaire ango, on va faire les anga combo. Il faut qu'on t'assure que Bachar a affaire ango. Mais jamais qu'on le cater à une société ou Albert Yo. Ah société, au moment ango te, mais alaka. Bafere ba mine. Compte offshore, bafere ya minerai, bafere ya ba carré minier, bafere ya ba part de l'État na ba facture de main à main, ba contrat léoné, c'est lui l'artisan à cobrader Jekamine et pas à Dan Gettler. Il est l'artisan dans cette histoire. Albert Yuma. Albert Yuma, c'est l'homme, c'est lui qui a amené Dan Gettler au Congo. Yindayana ye. Aye ko sala sou Félix ce qui va récupérer ba part na ba contrat bloc et pétrolier gazier na biso. Mais l'artisan ya na Dan Gettler dans le monde des affaires tamba ke na ba forum. Ya ba faire à travers le monde yu masala connaissance na ce juif ou américain et c'est lui qui va les ramener que j'ai des opportunités yu ma ke ko présenter Dan Gettler et pas Kabila. Ainsi on a saucissonné la Jekamine qui est devenue KCC. KCC qui tiendra, KCC qui deviendra TFM, et jusqu'à ce que Jekamine a comment privatisé saucisson, puis Azata en place et Moko Pizaga sur le tenté, on a tout vendu. Yuma, commissionnaire de tout ce qui se vendait à la Jekamine. C'est l'associé de Moïse Katumbi. Yuma Albert. Yuma est le proche collaborateur de Katumbi à outrance. Ces hommes-là doivent être pendus. Deogracias Mutombo. Souci, Yohan. Cité dans l'affaire Bukangalonzo. Détournement, complicité de détournement. Cité pour lui-même après enquête à cour de compte. Basala Ango Kobandana 2019, 18, jusqu'à 2021. Et ce rapport, il y a IGF. La cour de compte a évalué, à rendre rapport naïe. Et ce prix de 25 millions de dollars. De Gracias Mutombo et sa femme, Basiblaka Komine, ya Kitambo. On m'a fait montrer à peu près 22 parcelles achetées par sa femme à Kitambo. Mon gomsous na kenda, tant que nazana makala, so ma benga gae, ou ya quoi la gouverneur. Je ne cite pas le nom de mon vieux à chanter. Sali. A commissionnaire square ya fako ba kena gombe na kote ba tete la lupango mobimba sentinelle kaka vide ba ina certificat bala ki c'était Gracias Mutombo. J'assistais à ça puisque professeur ndole kana makala ngape mokanga mina makala na moni ba yo kanena de Gracias Mutombo 1 400 000 certificat na comme tout sili. Atiki lupango wa mikanda bon d'accord kwa kotala lobby a pesi mbongo versement na banque a boya kuti ba changer ba Cyril ba kadena papa moko abimina mikanda mino c'est ma parcelle je l'ai jamais vendi tipa na kenda na parcelle bagaka na ebi angote ay ba osaka na yai ba kambongo a l'état tinda ngana sombela ke mapango tusandi yango to sali ekuto do ina gombe mutu akwala emi 1 400 000 na makala chambre moko nanga tuka di mashaba twana. Papa sa bakandeza mbongo na ye tipo yu mutombo. Papa sa ka professeur Grégoire Bakandeza mbongo na ye. Abouya ma français que les autres qui m'ont précédé n'ont pas payé et moi je vais le payer pourquoi pour mbongo tata nao. Mbongo tata nao parce que quand tu prenais ces 25 millions, il y a libota nao. Il y a quoi collège. Il y a mbongo na biso nyo sauté. Ya. Kamata yedi. Ba prison. Bete biloko. Ba to basa ba to moko sur botchi na prison. Ba tumbie. Loi ba otuma moto. Loi kanda, komba na go kanda. La justice populaire za. Ose, oy boko vanda boye. Na kenda moko mususu. Na poso ka ba exemple typique. OK. C'est loi là ba. Ba 2013. Na luka na o sanje ce honorable Peggy Sendwe. Famille Jason. Honorable Peggy Sendwe ka ko ya biso lukunga.
tonganda kone moko kote ya ya Selembao ndako étage qui toko ba appartement à trois niveaux mais tout est dedans un appartement deux chambres salon cuisine douze toilettes na chambre ya mukia ba visiteur $200 par mois garantie 3 mois parce que place à tongi ndako ango étage ba tunyo so bantoure bazaka na tubanda kwa tol tubanda kwa bikoko bikoko na bibo ndako étage au milieu de cette bourbier ngana zana kama vatu soko yeko kota hawa au milingite pour dire yo la maso so la bima tembela ini yo be tombaso c'est ce que ça veut dire yo vandisko na Congo kemba kana bana na vingo ka individu mo be pas wa poste million milliard 25 millions. Et au Sogo, il y a un peu de temps. Attends. Pour ce chasing, il y a un peu de temps. Mais ce que tu dis, c'est que tu as un peu de temps. Mais ce que tu dis, c'est que tu as un peu de temps. Mais ce que tu dis, c'est que tu as un peu de temps. Mais ce que tu dis, c'est que tu as un peu de temps. Mais ce que tu dis, c'est que tu as un peu de temps. Mais ce que tu dis, c'est que tu as un peu de temps. Mais ce que tu dis, c'est que tu as un peu climatisé. Ouh, nazo kende kuiba. 25, nazo kende kuiba. Soit yo mati moto, ya mati jeep. Sko zo tal, yo tipe loko zo tal. Nazo kende kuiba. Yo na moto, o kreche, su sup. Eh, bèche, bèche, tu m'a kreche. Tose. Mouyibi. Mouyibi. Donc Albert Yuma, mouyibi, mouyibi. Non, son des voleurs, ce genre ici. Mouto, de grâce à ce moutombo, ça dit déjà, dossier à Bukangalonzo, il sera condamné pour un détournement, complicité. Agent à Rao Bank, complicité. Directeur Moussouzouana Batangi, complicité. Et était à ce que maman a dirigé banque. N'a pas tenu sur Bazawana. Bon, mon élo, vous avez la moninga. Mais donc, pour vous foutre à mon dégoût, bakane, j'ai problème. Problème. Mais aux oeufs, il y a un million. Un million. Mais bana, ba otanga la vendi brique. Pour la classe, gratuité, aux souffrir. Puisqu'il y a certaines infrastructures qu'il faut mettre à jour. Projet à 145 territoires, il faut faire plus que ce qui s'est fait maintenant, puisqu'on a besoin d'argent. Mais cet argent, dans ma individu, le col à Deo, gracias, le col n'est pas Yuma, n'a pas tout ce soir. Cette banque ici, la Rao Bank, elle s'implique dans tous les coups, il y a détournement de l'argent de l'État. 100 jours, on a cité Rao Bank. Toujours cette banque qui est à Libanais. Ah, sont des Libanais. Oh là là. Cette banque doit fermer ici. Non, attention. Il ne faut pas. Na lobby. Chercher. Non, non. Il y a Koukoué dans ma cambo. Yannine. Il y a diffamation dans la banque. Diffamation. Dossier est clair. Bakangi, Moutoua Bank. DG. Il y a banque. Rao Bank. A été arrêté. Il a coopéré avec la justice. Pourquoi à Fouta? Est-ce qu'on a sa diffamation? Diffamation, c'est quand on a eu la moutou makambo exacte. Bakangi, qui s'en sont besoin, mon. Moussous, il y a eu un sali rapport pour les qui s'en sont besoin, combien de diffamation? Bon, on va gérer la banque, bon, la banque commerciale. C'est là où je dis à l'État. Puisque bon, à l'État, il dépose à Makana, la banque commerciale, qui récupère, par exemple, prenons l'hypothèse, bon, au DGI, à Kotisaka. Bako gardé en arabe. Et quand ça sort, exact, banque centrale, na ba gestionnaire ya ba compte na public ba kota ka sko combine pour ça na limite na se mbongo ko bimate combine mo la ka ba bor ba tout ça là nos dossiers auto analyser na banquette ya Beveraki. Imagine comment Eco Bank s'est permis à ko saisir mbongo ya Beveraki. Azui 2 millions hein? Non non c'est pas 2 millions puisque qu'on a na azuaki combien 4, 7, puisque c'est 14 millions, il prend 12 millions de dollars à Beveraki dans le compte saisi et paye à Katumbi dans la complicité. Les DG à Ecobank étaient à Makala ici, fait arrêter par Pascal Beveraki. Ces gens font des combines. Puisque l'État congolais n'a pas de banque d'investissement et de banque privée. Ah, ça aussi, c'est un autre problème. Pourquoi ne pas transformer la Cadeco à une vraie banque? L'État congolais n'a pas de banque. Hein? C'est ça le débat dans le Kédé. Fermer, c'est transformer la Cadeco à une vraie banque. Le Congolais dépose, le Congolais épargne et la Cadeco joue les rôles de ce que ces banques commerciales font. Et c'est ce qui se faisait depuis les années, depuis les temps
même frais académique, quand on a bandit G1, on payait à l'académie, frais Nabiso. La banque commerciale. Mm. Quand l'université n'y a personne ne paye plus à l'académie. Il faut y en a, Bordero, il y a d'une banque qu'on cite là. Et nous avons appauvri les structures de l'État au profit du privé. Pourquoi? Puisque pourcentage 20%, et Zali. Le même bateau, bazar l'État congolais, bas conseil Nabiso, bazar actionnaire dans ma banque. Oh là là. Aïe, faciliter banque ou marché pour aïe, qui est kouna par na ezovimba. Ezovimba, bon bancarisation, tu connais combien de marchés que Matata a gagné la bancarisation? Mouibi bien Matata wana. Na bancarisation? Na ebite, beta la solo. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Tout est pourcentage après si marché. Yazan a 20-30% sur la tête yaba kliba. Parce que quand les personnels d'un service X sont comme bazaba client d'une banque commerciale, Bambongwana, et ça que banque lui donne, t'es bon, l'état côté à couner la banque centrale à tier, y est banque en accrédité, on a compte, y a travail, baba y qu'on retire, n'a qu'à y a retiré, on a juste tout ça, opération, moi pourcentage de Kendak, n'a pourcentage de banque à Zakozoa, la banque, baoka bolasko na mouta, et là qui bango marché, et c'est les officiels de l'état. Cop na cop, bandoki, demboko. Soko lobi bongo, pète, y'a la gala qui s'abissonne, pète, n'a qu'on y a la messe, non? Au monanga? Petit à coco naït. Nous sommes en train de se faire. 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 Nous sommes en train de se Ah! Au goût de taper, tu me sens le bagasin riche, ma vie à Bissot, ma commerce, à Calotte, ma papa, t'as tout qui gagne, tout ma coûte à bouille. Viens à Tikala, pour que tu 2 millions de dollars, t'es dans compte, dans ma coûte à bouille, n'a rien à son. Nazan a bambou, bambou, c'est tout ça. Même toi, n'a au quoi la pédale 25 ans, vani. Pas un discours, aïe pas, Congolais, mon bobé, vous mettez le son, coco, allons, vous êtes bélier. Ce qui pendait, il récupéra comme tout na kingo. Bandawa! Chosing, Osalari. Zela la tang information ya suka nini poto kabola presque batwe moko ba zoyo kabiso hein mais information pourquoi parce que là on tourne l'émission à 17h déjà 4 minutes oui na lukana X ndebisika na kuchoko zoa information wana kitoko. Non, X est zaté. Ah! Non. Papa. Ouais. Moi, je suis un biwana. Il faut que je l'oba na bango. Denge sengele l'oba. Information à souka. Il faut que l'oba na batu batika. Ko yiba l'état. Chérimboula moko yana. Oumana sko chérimboula moko a zongi église. Mikolo ko sambe la force. Mouyibi, wala ko sambe Seigneur. Restore-moi. Seigneur, alléluia. Lokuta, restore-te. Na mouyibi, restore-te. Yani. Toubela. Tika mouyibi. Babi no boza na ba poste. A to s'occuper na binote. Biso to s'occuper na mouta, jere malamte. Biso to s'occuper na jere malamte. To ignore yo koutou. Soki to bandiko la ta komba mouto, seke mouto an angwarima. Oui. Angwarima et puis beaucoup de bisogno sont au côté caillotte ganga n'a aucun débat pour créer le fond à fond d'un côté côté. Ce qui est vrai, on peut se tromper sur deux ou trois choses, mais en vérité, belle tout bim ça. Bon, bisou tous à battre tous à banzambe et tout à l'heure. Et ça va comme ça. Enquête point comme ça et ça et ça caméra en zambe et ça des mécaniciens à bisou battre tout au coup le cabacambo. Tout le bateau peut nous trouver sa cabisou ma exactement. Bagu le rappel ma cambo. Il y a les arts à coca, mais nous sommes à la locutate. Mais bien sûr, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un bon, je vais vous dire ce que vous avez dit. Banane. Assemblée nationale, impayée depuis 3 mois, les députés tentent de bloquer la plénière de ce mardi. Mais député, vous avez impayé 3 mois. Mais vous avez un peu de vacances parlementaires. Vous avez un septembre. Ça doit être d'autres questions. Moi, je voulais d'abord. Na Luka, na kende koyeba na tatamboso, qu'est-ce qui s'est passé? Il me faut cette information analysée. Togobeta mutunyoso. Mais togoyeba na koyeba.
bazar impayé était par rapport à quoi, puisque bango bazar a des briques différentes, puis bas des briques on est à comme colombo côté. Bah député bazar puis ma bokomba qui dans le cas des ambongo nous sommes à quoi concerné bango, il y a une partie à ma bokomba qui va bien être invisible. Et le cana banque parce que au bas le bas na c'est le net un peu le cana rare banque. Tous les ans où il va y couper ça bango dans ma bokomba pas qu'est-ce. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça va pour le dire à qu'est-ce que c'est que ça va pour le dire à qu'est-ce que c'est que ça va pour le dire à qu'est-ce que c'est que ça va pour le dire à qu'est-ce que c'est que ça va pour le dire à qu'est-ce que c'est que ça va pour le dire à qu'est-ce que c'est que ça va pour le dire à qu'est-ce que c'est que ça va pour le dire à merci. DJ Stéphane. Bala mwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beto Tangwe koki yo 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 Tangwa ngoya ngoyo ye koki Tolanda kango Papa Stéphane Bala mwange Oyeye oh, yeah, yeah.